Mais pourquoi t'as un bonnet? Pourquoi? Parce que, en fait, elle m'a obligé à mettre un bonnet, parce que soi-disant, je suis chauve, je suis laid, je suis pas beau, ceci, cela. Ceci, cela. Bon, chanson dure, on va se planter. Évidemment. En plus, c'est par eux. Ah oui. À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Laurette souriait. Et d'un seul coup, nos leçons, nos problèmes disparaissait quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette quand on faisait la fête. Elle venait vers nous, Laurette. C'était bien, c'était chouette quand on était fauchés. Payait pour nous, Laurette. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on allait l'âme en peine, Laurette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurette. On y retournera pour ne pas l'oublier, Laurette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Ce sera bien. Quel est le couillon qui appelle? Et qui c'est qui a mis feu à la cheminée, c'est ceci, cela.